L'amour a disparu. Corinthiens chapitre 13, Paul dit: quand je parlerai les langues des anges, et même quand j'aurai la connaissance de toutes choses, les mystères, la connaissance de mystères. Oh frères et sœurs, il dit: même quand je pourrais faire descendre du ciel des branches de feu, il dit, toutes ces choses sont bonnes. Mais si je n'ai pas la Pâque, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas mangé l'agneau pascal, toutes ces choses ne servent à rien. Si je n'ai pas l'amour, à quoi me sert-il de fêter la Pâque? Homme de Dieu, ça ne me gêne pas de prendre le pain et le vin, d'amener à l'église et de donner manger. Et on mangera, on partira. Et ça servira à quoi si l'essentiel n'est pas là? Alors, regardez pour les Égyptiens, je finis, pardon, dans 10 minutes. Pour les Juifs, la Pâque était la sortie, un événement pendant lequel ils fêtaient, ils célébraient leur sortie de l'esclavage égyptien. Ça, c'est l'histoire juive. Alors, pour toi, c'est quoi la Pâque? Si pour les Hébreux de cette époque, l'oppresseur était l'Égypte et Pharaon, pour toi, qui est l'oppresseur? Lorsque tu auras compris que Dieu, par le sang du Fils, t'a sorti de l'emprise de cet oppresseur, c'est là la Pâque, c'est le vol de ton oppresseur, il faut que le sang de l'agneau te sorte de là. C'est là la Pâque c'est la délivrance. Alors le peuple juif avait raison de célébrer parce qu'il avait à l'esprit la délivrance que Dieu a opérée sortant de l'Égypte. Toi, tu es sorti d'où? C'était l'arrière-plan historique. Tu n'es pas sorti du monde, mais tu veux célébrer la Pâque. C'est un blasphème. Oh, frères et sœurs, si l'Égypte est d'abord le monde pour les Juifs, pour toi, le monde, c'est peut-être la chair. Le jour que Dieu te délivrera de l'emprise de la chair, c'est là la Pâque. Il faut la délivrance pour qu'on parle de la Pâque. Tu es chrétienne, tu es chrétien, mais regarde ta manière de vivre. Tu n'es pas sorti du monde, mais tu veux célébrer la Pâque. C'est un paradoxe. Tu n'es pas sorti de l'emprise de l'oppresseur, mais tu veux célébrer la Pâque. La Pâque n'est pas une fête pour nous, frère. La Pâque, c'est Yehoshua, la Pâque. Et c'est pourquoi Paul dit, il dit, Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Christ l'agneau pascal a été immolé. C'est pourquoi la conséquence, c'est d'ôter de nous le vieux levain. La conséquence de la Pâque, c'est quoi frère? C'est le changement de vêtements spirituels. Les œuvres sont changées. Alors c'est Christ. En tant que Pâque est mort, toi, il t'a sorti de quoi? C'est une question personnelle. Il t'a sorti de quoi? Je ne parle pas, n'est-ce pas, du littéralisme ou de la généralité. Toi-même, toi-même, lorsque tu considères le nombre d'années que tu as, dit-on, dans la foi, on peut t'appeler ancien, en expérience. On peut t'appeler doyen, en expérience. Yeshua, dit-on, a peut-être mangé 4 Pâques. Toi, tu as combien de Pâques? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je vais donner la parole à deux par là, deux par là. Tu étais voleur quand Dieu t'a connu, menteur quand Dieu t'a connu, et tu es resté la même personne, et tu fêtes la Pâque. Non, c'est pas comme ça que ça se passe.
t'a sorti d'où? Tu prenais les maris des gens. Quand, avant que Dieu ne vienne, tu prenais les maris des gens. Ah oui. Avant que Dieu ne vienne, tu trompais ta femme. Oui. Tu trompais ton mari. Oui. Mais depuis que Dieu est venu, qu'est-ce qui a changé? Si tu réponds à la question, tu as des raisons de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. J'ai l'épisode justement dans l'esprit d'un anon qui était captif. Et la Bible dit que lorsque le temps est arrivé pour Yahushua d'aller à Jérusalem, il va ordonner à ses serviteurs d'aller délier cet anon. Bref, cet anon, c'est aussi toi. Si Dieu t'a délivré, c'est pour qu'il se serve de toi. Mais regarde-toi, tu as la chaîne. La chaîne t'attache à un poteau. Aucune délivrance n'est faite. Mais tu veux célébrer la Pâque. Quelle insulte, frère! Pourquoi chercher des fêtes alors que nos cœurs ont des problèmes à régler? Cherchons-nous, n'est-ce pas, à manger le pain. Pourquoi cherchons-nous à boire du vin? C'est le formalisme. Alors que la fête de Pâques véritable, frères et sœurs, n'a pas eu d'impact dans nos vies. Les frères catholiques, je ne les critique pas, mais ils aiment le Vendredi Saint. Je les ai vus dans un Vendredi Saint, frère. Et je dis, qu'est-ce qui fait la sainteté de ce vendredi? Frères et sœurs, l'heure est grave. Vous êtes dans l'hypocrisie, dans des mensonges, dans des détournements, dans la tromperie. Mais vous voulez célébrer la Pâque avec le vieux levain. Paul a dit, ôtez le vieux levain. Amen. Que Dieu nous bénisse, frère. Comment appelle-t-on ton oppresseur? Comment il s'appelle ton oppresseur? Est-ce que Dieu t'a sorti de là? Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, au-delà des récits, la Pâque est une personne spirituelle. C'est Yahushua, la Pâque. La Pâque est le don du premier-né. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12 à 18, parle de Yeshua comme étant le premier-né de Dieu. La Pâque, c'est le don du premier-né de Dieu en vue de sauver l'humanité. Et ceux qui ont foi ont accepté cette offrande. Et ils n'ont pas tort de célébrer. Ils n'attendront pas un jour qu'on appelle Vendredi Saint, Dimanche Saint. Ça, c'est illusoire. La Pâque est une attitude, une manière de vivre. Christ en vous, l'espérance, la gloire. Vous devez manifester la Pâque chaque jour, chaque heure, chaque jour. Vous avez le souvenir que Dieu vous a sorti de quelque part par le sang lié au choix. Que Dieu nous bénisse. C'était une exhortation. Je voudrais que tu t'interroges toi-même et que tu réponds à cette question. Toi qui veux célébrer, ou toi qui as célébré la Pâque, quel vieux levain as-tu fait disparaître? Quel vieux levain as-tu fait disparaître? Si tu es resté la même personne depuis que Dieu t'a appelé, en quoi est-ce que 2 Corinthiens 5, 17 s'applique-t-il? Qu'est-ce qui a changé? Il est écrit que les choses anciennes sont passées. Lorsque la Pâque est dans votre vie, on reconnaît que les choses anciennes sont passées. Les Juifs savaient que l'oppression égyptienne était passée. Alors toi, lorsque tu célèbres la Pâque, qu'est-ce qui est passé? De quelle
oppression Dieu t'a-t-il délivré? Lorsqu'on sait que ta chair a toujours le dessus sur toi, lorsqu'on sait que l'adultère, depuis le commencement, la fornication, depuis le commencement, l'hypocrisie, le vol, toutes ces choses ne t'ont jamais quitté une seule seconde, un seul instant. Alors quel est le sujet de célébrer la Pâque? Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais qu'on incline nos têtes et qu'on chante avec moi. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Nous voulons, après avoir écouté cette parole, nous devons comprendre également que, au-delà de toutes les symboliques de la Pâque, Yeshua s'est offert. Il s'est donné lui-même. La Pâque, au-delà de la délivrance de l'humanité, au-delà du don, n'est-ce pas, du sang de Yeshua, la Pâque parle aussi de souffrance. Si Yeshua s'est donné en souffrance, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, tu dois aussi te donner en souffrance pour lui. Les chants peuvent venir sur les micros, pardon, et qu'on confesse ensemble ce chant. Nous allons prier un instant. Yeshua a obéi à l'instruction du Père, et c'est cela qui l'amène à l'accomplissement de la Pâque. Et toi aussi, il t'envoie. Il n'y a pas de Pâque véritable sans la croix. C'est à la croix, n'est-ce pas, que la Pâque de Yeshua a été effective. Donc la Pâque parle également de souffrance, la souffrance attachée au ministère. La Pâque parle, n'est-ce pas, des douleurs attachées aussi au ministère, des douleurs de tous les jours. Comment voulons-nous célébrer la Pâque? En refusant la croix, alors que la croix est l'autel. C'est à la croix. La croix est le dernier autel, frères et sœurs, que Dieu a choisi pour accomplir son dessein pour l'humanité. Il n'y a plus d'autel à faire aujourd'hui. Le dernier autel, c'était la croix. Et Yeshua a fini à la croix. C'est pourquoi, toi aussi, tu dois accepter la Pâque. Et l'acceptation de la Pâque, c'est l'acceptation aussi des souffrances. Si tu manges l'agneau pascal en tant que Pâque, pourquoi se plaindre à cause des souffrances? Si le bois vert a été flagellé, comment est-ce que le bois sec va-t-il refuser les souffrances? Nous sommes des bois secs. Tu m'envoies.
écouté cette exhortation, je voudrais que même les chantres, même à ton micro, même à ta place, je voudrais que tu dises à Dieu pour t'obéir. De même que tu as obéi jusqu'à la souffrance de la croix pour que le Père soit honoré, je veux aussi t'obéir. Seigneur, fortifie-moi de sorte que j'accepte les souffrances. Fortifie-moi pour que je sache que tu es la Pâque véritable. Si je mange la Pâque qui est la personne de Yeshua, l'agneau pascal, que je partage avec lui son ministère, le ministère de souffrance. Est-ce que tu peux prier un instant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme capable de supporter aussi la souffrance. Fais de moi un homme capable aussi de supporter, les souffrances. Seigneur, c'est vrai que tu es l'agneau pascal. Tu es l'agneau pascal. Tu es la Pâque par excellence. Paul a dit, tu es notre Pâque. L'agneau pascal, c'est toi. Mais l'agneau pascal a fini le trajet à la croix. L'agneau pascal a fini le mandat à la croix. L'agneau pascal a fini au calvaire. L'agneau pascal a fini par l'obéissance. Il est à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi nous aussi, en tant que bénéficiaires de la Pâque, nous voulons, ô Dieu des armées, que tu fortifies notre foi, de sorte que nous soyons ces hommes et ces femmes capables d'être aussi une Pâque pour les autres. Christ a été une Pâque pour nous. Nous voulons aussi être une Pâque pour les autres. Nous voulons nous donner un sacrifice. Oh, merci Seigneur. Instant et dit à Dieu, je veux être une Pâque pour les autres. Alléluia. Je veux supporter les souffrances papa, pour les l'amour, autres. Papa. Je veux aussi aimer jusqu'à souffrir. Je veux aussi aimer jusqu'à me donner, Seigneur. Papa, je veux être une Pâque pour les merci, frères et les sœurs. Seigneur, je veux être amour comme toi, tu es amour. Merci. Papa, je veux aussi, papa, je veux me donner, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon Dieu, mon Père et mon Seigneur.